Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier défi IA, l'ultime défi IA pour gagner la Lotus Evora Sport 410. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas pris tous les bonus. Je vais essayer de me concentrer quand même un petit peu. Merde, j'aurais peut-être pas dû prendre ça. Ah, papa, papa. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'ai pris trop de temps en l'air, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Donc en fait j'ai juste fait le nitro, je vais y arriver, le nitro de démarrage. Et un kit de tuning, et j'ai pas mis le full nitro, les doubles barres nitro comme vous le voyez. J'ai pas pris ça, ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on va y arriver. Il faut pas que je me plante. Ah c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais on devrait pouvoir y arriver en plus. Oui, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Allez, c'est bon. Et voilà. Donc comme dit, j'ai pas mis le nitro, le double nitro. Donc on n'a pas forcément besoin de tout ça pour pouvoir gagner cette nouvelle bagnole. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, vous, de ce championnat R&D. C'était assez sympathique. Bien évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. C'est toujours sympathique. Et maintenant, on va pouvoir ouvrir nos différentes caisses pour récupérer les plans de cette bagnole. Alors, on en a 4 là. On va ouvrir tout ça. On a un tout petit peu de place. J'ai fait un petit peu de place pour pouvoir mettre les cartes. Et voilà. Lotus Evora Sport 410. 10 sur 10. On a tous les plans. Et maintenant, il va falloir la nouveauté. Assembler la bagnole. Alors, je trouve que c'est vachement stylé. L'effet, là. L'effet fil de fer qui passe sur la bagnole. Je trouve que c'est vraiment beau. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le dire, bien évidemment, dans les commentaires. Mais je trouve que c'est vraiment sympa. Alors après, le fait que ça mette, je sais pas combien d'heures, on va le voir tout à l'heure, ça met un paquet d'heures pour être livré, ça c'est un peu dommage quand même. Voilà, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Pourquoi pas, 10 heures, 10 heures pour livrer la bagnole, et sinon 388 jetons pour accélérer tout ça, ça fait un peu beaucoup. On regarde un petit peu les différentes couleurs qui sont à disposition, là aussi, hein. Dites-moi la couleur que vous allez choisir si vous avez bien sûr gagné la bagnole. Et puis surtout, si la vidéo vous a plu, un petit like. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Allez, on se retrouve bientôt. Ah, ciao !